tapia raisi wetu, utawala wake waleta furaha. Watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha, kwa malipo ya masomo kwa bure. Uishi milele, utawale milele, tukupenda. Mwana ya Kongo na sepeli komona prezida na ngai Tshisekedi yo na vile na biso ya mboka oyo ya Kongo Bukavu to sepeli mingi komona ye yangoyo ngai na kobetale maboko maboko yangoyo ngai na koyembela ye yangoyo tikana ebisa ye na motema na ngayo oh oh umela prezida na ngai. Umela papa Tshisekedi, umela, 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 umela papa nanga yo. Oh oh oh. Mon président Chilombo, Raisi wewe tu ni number one. Tshisekedi Chilombo, Raisi wewe tu ni number one. Mon président Chilombo, Raisi wewe tu ni number one. Félix Chilombo, number one, my number one. Waheshimiwa, karibu kwetu. Kwetu Bukavu, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawapenda, tunawajali, tunasema karibu, karibu Bukavu, ni muji mzuri, tunawakaribisha, kuna hewa nzuri. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs sur TV du peuple. Aujourd'hui, je reçois pour vous Arnold de Marcelo Mbassa, à qui je m'en vais directement pour dire bonjour Arnold. Bonjour Monsieur Joseph Toumbamba Lampérien. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce du Très-Haut. D'accord. Chers compatriotes de l'autre sous le Baba annonce, annonce il y a Monsieur Kokonyangi à propos il y a Makamouya Lobby. Sans plus tarder, je vais faire la lecture de ce qu'il a annoncé. Bobo sosola makamonini ye alobi na makomi na ye. Kokonyangi, nous allons faire une opposition républicaine. Joseph Kokonyangi, cadre du Front commun pour le Congo, F, entre parenthèses, FCC, a déclaré samedi dernier à Kindu, dans la province d'Imaniema, que la plateforme cher à Joseph Kabila Kabange, va faire une opposition républicaine compte tenu du changement de la majorité parlementaire, un changement qu'il a cependant déploré. La majorité a viré ce qui n'est pas normal. Nous sommes passés alors, à l'opposition, donc, nous faisons avec, nous acceptons ça et nous allons faire une opposition républicaine. Si le président fait des choses bien, nous allons applaudir. S'il fait des choses compliquées, nous allons dénoncer, c'est tout. Il n'y a pas de problème à déclarer Joseph Kokonyangi à la presse locale, à son arrivée dans cette partie du pays. Pour rappel, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de mettre fin à la coalition FCC Cash qui avait montré ses limites. C'est dans un discours à la nation du 6 décembre 2020 qu'il avait officiellement mis fin à cette coalition. Le gouvernement de la coalition institué de l'alternance politique intervenue en janvier 2019 n'a pas permis de mettre en œuvre les programmes pour lesquels vous m'avez porté à la magistrature suprême. Avait-il déclaré? Depuis le chef de l'État a mis en place l'union sacrée de la nation, d'après le successeur de Joseph Kabila Kabange, cette union
Oh, cette union est un ensemble de Congolais souciés du bien-être de la population de la République démocratique du Congo. À noter également que plusieurs cadres de l'ancien régime Kabila ont tourné le dos au FCC pour rejoindre le bateau de l'Union sacrée. Par rapport à la lecture que vous venez de faire, par rapport aux déclarations faites par M. Kokunyangi, vous aurez remarqué ensemble avec Banamboka qui a reçu de cette lecture que les propos tenus par M. Kokunyangi ont à propos mon corps où ils ont caché un sentiment de la haine à Katinango par rapport à l'argument qu'ils ont fait le valoir. Nous avons tous remarqué que pendant la gestion du pays par les camps de l'FCC, au Mwanamboka, Joseph Kabila, Azalaki, président de la République, et toute sa bande, nous avons fait parmi les pions, parmi les pièces maîtresses, il y a Mwanamboka, Joseph Kabila, la reine Naye. Donc, on a dit que la pression a été là par rapport à l'opposition qui était en place, et la seule opposition où Ibanaki a tiré le Kabango vers la sortie, où Ibanaki a contrecarré toutes les mauvaises actions où Ibanaki a proposé Zalaki dans le UDPS. Il y a un autre monde qui est partant de cela, partant de toutes ces pressions au UDPS, à Ibanaki a la mauvaise gestion pendant les 18 ans, il y a Rennes, il y a Kan, il s'en foutait de ça, de manière qu'au moins la déclaration au IDPS, ça va dire que ça la marche au IDPS, ça va dire que ça la main. Personne ne prenait en charge ces déclarations et personne ne prenait en charge la marche, ni on se paie la mort, ni on se peuple à Sibiraki. Mais aujourd'hui, nous remarquons, et la chose qui nous étonne d'ailleurs aujourd'hui, c'est le propos de M. Kokunyangi. À lui, ils seront prêts à soutenir les bonnes actions du président de la République. Mais au cas contraire où le président de la République a posé à l'intérieur de bonnes actions, où le président de la République posera des actions et posera bien pour la banque, où il posera un avantage de la banque, ils seront prêts à claquer la porte et ils seront prêts à mettre la pression pour la sortie du président de la République pour la gouvernement dans le monde. Nous comprenons justement qu'il y a quelque chose de la haine là-dessus. Nous comprenons justement qu'il va aller là. Nous demandons de pouvoir contrecarrer toutes les bonnes actions. Pourquoi ? Les bonnes actions sont toujours à soutenir. Et remarquons ensemble que ce n'est pas facile pour une personne humaine de diriger pendant plusieurs années sans pour autant que l'action va bien pesée. C'est une personne humaine à cause de la RR, à cause de la peine, à la période de mandat, à proposer ma acte, mon sous-sous, et vous allez peut-être être désavantageux pour la population. Mais cela ne fera pas en sorte de mettre les bâtons directement sur la roue pour contrecarrer sa marche vers l'émergence de ce pays. C'est que nous remarquons qu'ils nous donnent déjà une impression quelconque pour pouvoir démontrer quel est leur sentiment, quel est le sentiment caché par rapport à sentiment où on doit afficher les autres. Donc, ils sont prêts à soutenir le président aujourd'hui. Mais s'il y a quelque chose de mauvais que le président a commettre, les autres, ils seront prêts aussi à mettre leur main sur le président de la République. Nous voyons que c'est un sentiment qui est déplorable pour nous. Cadre le collègue à FCC, une personne intelligente comme Kokunyang, il n'était jamais là pour tenir au côté, tenir ma propre devant la presse, parce que ma propre vous a suivi partout, c'est tous les camps politiques où on va se suivre. Si je comprends bien, Kokunyang est en sali déclaration Oyo. En fait, Bino n'a avis n'a Bino besoin de à tenir un mot la mauvaise foi. Oui. Mais du tout, ils avaient bon côté. Parce que avant de faire majeure la déclaration, peut-être à mon avis, c'est pourquoi il a fait cette déclaration. Voilà. Dosobo était le président de la République, est une personne au Yazali, une personne positiviste, une personne qui lui ne pense que du positif pour l'avancement de ce pays. Donc, s'il y a quelque chose peut-être qui est dérangeant dans un camp politique, le président de la République a été toujours loyal pour accueillir tout le monde. Cela veut dire quoi? S'il y a quelque chose, un acte où le président de la République a proposé peut-être à l'encontre peut-être, il y a opinion ou à l'encontre peut-être, il y a désir, il y a consensus, le président de la République est là. Il est un cadre de l'FCC. Le président de la République a proposé qu'il y a été. Devant le président de la République, a mené cette alliance
amené Oyoya Moni Malbe au président de la République à acte président de la République à poser. Il amène ça sur papier, il discute avec le président de la République à éclaircir le président de la République sur certains points ou certaines tâches peut-être qui sembleraient peut-être un peu compliquées pour si moi je comprends très bien, c'est à propos de ce que lui personnellement ce qu'il fait. Ah, pourquoi? Il y a un cadre en dessous, il y a un parti politique Nabango, Bazo Longwa, parce que le Bélé Opéra, Bazo Longwa, parti Nabango, Bazo Lana, Union Sacrée. Bon, c'est-à-dire, tant que moi, je dis que Lana, Union Sacrée, des fois, à sa déclaration, vu qu'il y a mon dé qui est ma Bézo Ligné, c'est pourquoi il a fait cette déclaration. Voilà. C'est un peu ça, si on peut parler un peu succinctement. Voilà. Bon, ce que moi je vais dire. Ce n'est pas à cause de cela que ces déclarations ont été tenues par, ce propos ont été tenus par M. Kokonyangi. Mm-hmm. Le problème qui se pose, le président de la République n'a pas une dent contre une personne ou un camp politique. Le président de la République est là, avec son idée, avec ses actions, à son souhait pour recevoir certains camps politiques pour pouvoir se mettre ensemble sur une table. Enfin, de reconstruire ce pays qui a été détruit pendant 18 ans dans le régime Yakabé et au Petit Kolika. Sentiment où ils ont animé Kokonyangi, comme je l'ai précisé les bandes de l'émission, c'est un sentiment de la haine où ils ont animé Bango. Donc, ils avaient encore ce sentiment-là, ils avaient encore cette ambition-là de pouvoir clouer encore ce pays, de pouvoir plonger encore ce pays dans la boue. Que l'image de ces pays ne soit pas lavée, que l'image de ces pays soit toujours salée. Et le président de la République, moi, Mboka Félix, en compte, tu sais que la première chose que le président de la République a fait, dans vos envoyés en Mboka Olo, c'est de pouvoir laver d'abord l'image de ces pays et de reconstruire ces pays. Parce que je pouvais dire que c'était impossible pour que certains investisseurs quittent leur pays pour venir investir en République démocratique. Pourquoi? Parce que l'image du pays a été déjà salue. C'est là que tu vois, les investisseurs ne peuvent jamais venir en République démocratique du Congo parce que dans un monde qui leurs intérêts ils ont réduit par rapport aux intérêts personnels des dirigeants en Bokaro. Donc, ils étaient là pour remplir leur poche et non s'occuper du social de la population. Et quand les investisseurs venaient, les investisseurs comprenaient de prime abord que ces dirigeants cherchaient d'abord leur stabilité propre. Il y a la vie dans le pays, dans la banque, et nuire la stabilité et sociale de la population. Les investisseurs ont trouvé que c'était quelque chose où ils avaient qui. Pas bon. Donc, c'était inopportun et c'était pas nécessaire pour de venir investir au Congo. Un exemple, par exemple, au PSU, mon amour à Félix, en tant que la première des choses, c'est de laver d'abord l'image de la République démocratique du Congo. La deuxième des choses, c'est de laver l'image de l'économie du pays. Et la troisième chose, c'est de s'assurer du social de ce pays. Et la quatrième des choses que le président de la République a fait, c'est d'inviter tous les camps politiques, toutes les couches sociales pour pouvoir négocier, trouver des bonnes bases pour pouvoir construire ce pays. Ce pays ne peut jamais être construit tant qu'il n'y a pas de bonnes bases. Car c'est la fondation, c'est la base qui va soutenir ce pays. Tant que ce pays n'a pas de bonnes bases, tant que ce pays n'a pas une bonne fondation, ce pays ne peut jamais émerger, ce pays ne peut jamais aller de l'avant. Raison pour laquelle le président de la République a sanglé sa couche sociale pour pouvoir fonder une bonne fondation sur laquelle se posera ce pays. Et nous verrons que nous donnerons toujours raison au président de la République dans les années qui viennent. Et les actions sont louables et les bonnes actions, les homonymes sont palpables et visibles de tous. Mais Kokonyangi ne peut qu'il s'en prendre à lui-même avec sa haine, il ne veut pas la reconstruction du pays, il ne veut pas l'émergence de ce pays. D'accord. Sans plus tarder, sans plus tarder, nous avons déjà chité, nous allons essayer un peu de parler encore de l'arrivée de l'ancien président. Monsieur Joseph Kabila. Bon. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de Kabila Kimi. Mais il y a une émission qui est dans la mort de Kabila. Il y a un peu de et pas président. Accueillir mon côté. Parce qu'il y a des fois, il y a un président Moussousou. Au moins, il y a un président. Yakala, président Sika, continue à être président Kala qui nous présentait pour représenter Mboka. Mais le lot Moni Joseph Kabila Zongi,
na ebite oyebisa population nini bawo baloba mabe okabila zone akimi oyebisa population nini a propos ya ya makambo na on a repris sa population aujourd'hui qui biso toujours soutenir les bonnes actions du président de la République, comme on a beaucoup à Félix Antoine Tshisekedi. Pour aller de l'avant, c'est important aussi de pouvoir jeter un coup d'œil en arrière. Cela nous permettra que toi avancer avec de l'assurance, toi avancer sur un chemin bien tracé et de pouvoir avancer avec des objectifs précis pour la concrétisation peut-être d'un objectif prédéterminé. L'ancien président de la République, moi, Joseph Kabila Kabange, la première des choses que nous devons comprendre, c'est ça. Hormis ma opinion politique, hormis ma camp politique, hormis tout ce que nous avons comme ranking sur le plan politique, nous ne pouvons pas souhaiter le malheur ou la mort à une personne. Moi, je suis Joseph Kabila Kabange, il a quelque chose à contribuer aussi pour l'émergence de ces pays. Je vais dire quelque chose qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de mauvais chef. Le chef peut être bon, mais si le chef est mal entouré, c'est moi je sais qui sera salé. J'ai fait comprendre une chose après plusieurs analyses, après un examen précis. J'ai fait comprendre que moi, Mboka, Joseph Kabila Kabange, Azalea qui est mal entouré. Et c'était l'entourage de moi, Mboka, Joseph Kabila Kabange, Azalea qui pour pousser vers de mauvaises actions. Il arrivait parfois de suivre peut-être un interview à moi, Mboka, Joseph Kabila Kabange, et va proposer mon père général qui, à l'Ubaki, tout autour de lui, il n'a même pas dit bonne personne. Et quand mon Mboka, Joseph Kabila, le bâtiment de moi, j'avais vite compris que mon Mboka, Joseph Kabila avait ce souci-là de pouvoir aider ces pays. Mais il y a un bon qui tout autour de lui, il y pour plonger encore ses bonnes actions vers les néants. Il y a pour plonger encore les bonnes actions du président de la République, il y a bloquer pour que la population, pour que les souverains prennent à souffrir encore. Mon Mboka, Joseph Kabila Kabange, a bimaki bande en Mboka. Il y a un côté du bail, il y avait peut-être réunion au Kona, tout ça, ce sont les ondits. Oui, les Alec m'ont dit, mais il y avait certaines informations aussi vraies par rapport à cela. Alec n'a rien à bailler, il va reconstituer Kanaé, FCC, parce qu'on a bail pour une réunion stratégique par rapport à la fonds qu'on met pour les Congo. Donc, il y a qui a monté et tant mon amour qu'a bimé les balles, ça y est, il a vu que tout ce qu'il avait à faire en dehors du pays avec ses cadres, ça y est, dans un climat apaisé, dans un climat très tranquille. Il a compris que le moment est venu qu'il est rentre dans Mbokanae, Kobo. Il y a une zone qui est dans Mbokanae, il n'y a pas eu la terre de l'Ifanga, le gouverneur Zoé Kabila, Panzi à Katanga, né Azali. Moi, dans Mbokanae, Joseph Kabila Azali m'a tellement m'habité parce qu'il y a certaines réalités, il y a certaines choses du pays où, moi, dans Mbokanae, Félix Antoine Tshisekedi, Azali n'a pas maîtrise dans mon pays. Comprenons cela et soyons un peu francs, Yakolo Bayamo. Pourquoi? Je veux qu'il y ait 18 ans ces pays. Il y a, je dirais quoi, il y a certains secrets, hein? Il y a certaines choses que mon amour a fini d'entendre, c'est qu'il n'a pas été. Mais en ayant Joseph Kabila à ses côtés, en ayant Joseph Kabila en vie, il peut découvrir certaines choses par l'expertise. Il y a mon amour à Joseph Kabila. J'avais suivi un match où il y en a trois anciens présidents à Ghana. Bafanga qui est ici, Kaboko. Match. Et ça, là, qui n'aille bien, et ça, là, qui n'a pas bien. Et ça, là, qui n'a bien, pourquoi? Parce que la monnaie qui gagne, et ça, qui n'a bien pour la monnaie qui va faire des questions, qui n'a pas bien. Mais ça, là, qui n'a pas bien, pourquoi? Parce que le Congo, et ça, les maraté. Donc, si le président quitte le pouvoir, le président faut accoucher toujours. Pourquoi? C'est une question que nous devons se poser. Maintenant, nous avons vu une alternance politique et pacifique. C'est passé en République démocratique du Congo. Nous comprenons une chose et c'est quelque chose que nous pouvons applaudir, c'est quelque chose que nous pouvons louer aujourd'hui. Il y a un proverbe africain qui a toujours dit qu'en Afrique, si un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cela veut dire quoi? L'absence de Kabila sur la scène politique, c'est une bibliothèque aussi qui est brûlée. Donc en ayant Kabila, mais ça, les Congolais ne le savent pas. Stratégies. Les Congolais ne le savent pas. En ayant Kabila aujourd'hui au pouvoir, il y a certaines stratégies que Félix, en tout cas, c'est qu'il peut découvrir aussi en consultant Joseph Kabila Kabange. Mais la chose que nous ne tolérons pas, ce sont des propos, Oyo,
bateau basé du tout retour à Kabila va se tenir pour salir encore l'image des attaques de Kabila à Kabak. Bakoko Nyangi et certaines personnes qui ne citeront pas peut-être les noms ici, va se salir grandement l'image de Joseph Kabila. Or, Joseph Kabila avait se laver et être un exemple pour ces pays et être un exemple pour l'Afrique, pour certains pays d'Afrique qui nous, que les anciens présidents ne veulent pas laisser pacifiquement le pouvoir. Kabila l'a fait. Il, moi je peux dire aujourd'hui, il constitue une bibliothèque pour nous, pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Au moment présent, le président Félix Antoine Tshisekedi sera peut-être à la floue, à la fin, en n'ayant pas peut-être une réponse à une question peut-être stratégique qui touche le pays. Il peut consulter son homologue, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabane. D'accord. La base était. La chose louable de c'est que le président de la République, le premier mot que moi j'ai à étonner le président de la République, c'est qu'il est déboulonnage, l'état des droits. Donc le président de la République a instauré l'état des droits. Donc on remet tout vers les droits chemin vers les rails. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne marchait pas actuellement, la chose doit marcher. C'est la justice qui chapeaute tout. Dans un état des droits où la justice n'est pas assurée, où l'indépendance de la justice n'est pas assurée, c'est pas un état de droit. Car c'est la justice qui chapeaute tout. Alors, aujourd'hui, nous comprenons que cette liberté de la justice, cette indépendance est acquise. La justice fait son travail aujourd'hui. Tout le monde qui me semble le condamné, ils ont eu à désorienter, à décaisser hein, plus de 500 quelques millions de dollars pour les allocations pour la gratuité de l'enseignement. Bah, font les allocations pour pour la salaté, la fête d'examen d'État. Ils se sont appropriés du fonds de l'État. Où il y en a qui sont là-bas dans Mboka. Alors aujourd'hui, nous avons vu la justice faire son travail. Et moi, dans Mboka, pour Azali, je dis qu'on va Azali venir sa justice. Nous avons lu BBP qui est présenté, c'est vendredi. Tout le monde est vendredi prochain à Boudalawana à se présenter, à se justifier par rapport au détournement de ces fonds. Et s'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, s'il y a des magouilles, et si le juge président arrivait ou le ministère public arrivait, il y a pour trouver quelques indices de détournement, il y a fond wana, dans le fief, il y a Batouko, Bazalina, Poussier, wana. Je ne vois pas l'inconvénient à Oyo. Le premier président Batouko quitte sa sentence, n'a pas aussi un Batouana, il sera condamné. Et ils seront en prison, emprisonnés pour avoir détourné l'argent alloué au fonds Yama Examen. D'accord, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Arnold, dernier mot à vous. Dernier mot à moi, là, toujours, comme le disait Rossi Timanga, paix à son âme, le peuple gagne et le peuple finira toujours par gagner. Et c'est ça mon mot-clé. Et c'est ce qui se fait derrière actuellement. Et nous voyons que les peuples, petit à petit, les peuples avancent vers l'émergence. Les peuples avancent vers la victoire. Et je le dis sûrement, les peuples vont finir par gagner. D'accord. J'ai dit un grand merci à notre partenaire infaillible, monsieur Symphorien Kalala Mbalandaï. Je dis encore merci à monsieur Amour Bilolo, lui qui est journaliste, sans oublier Chadrak Ndibou. Portez-vous bien, Bozela, émission Nabiso, Mala, Ya, Sima. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous dis merci, Arnold. Merci beaucoup. Banamoka, te fais si matin de Bingi, pour être vos alliés qui est belé devant la poste de télévision Nabino Ponapola Nabiso. Votre humble serviteur, je suis toujours à votre disposition pour la promesse de la nouvelle information où ils ont touché la vie politique dans le pays qui est la vie de ces PDP de Koutani à la prochaine émission. D'accord. Bénisse la République démocratique du Congo et à Pambola Bino. D'accord, merci.